7h30 ce dimanche matin, les jurés sont à pied d'œuvre au sein des 15 catégories du concours d'État pour désigner les plus belles et les plus authentiques des voitures exposées au public lors de ce deuxième Chantilly Arrêt Élégance Richard Mille. Des catégories où l'audace du coup de crayon du designer côtoie souvent le génie de la conception mécanique et la qualité de réalisation et de finition des intérieurs. Cabriolet, coupé sport, Formule 1, mais aussi Bugatti, Mercedes, véhicules dans leur état d'origine et intérieur d'exception font partie des divers thèmes retenus cette année. Fin de matinée, c'est le concours d'élégance qui prend place sur le carrousel situé au pied du château. Les prototypes modernes présentés par les marques, parmi lesquelles DS et Mercedes, ou les bureaux d'études des carrossiers, sont associés à de grands couturiers. L'automobile et le mannequin défilent, et le plus bel ensemble est élu par les jurés et le public. Oh là là, oh, c'est la BMW 3 litres CSL Hommage R, associée au mannequin habillé par Balmain, qui remporte le trophée 2015. Après l'inspection et la délibération, les jurys du concours d'État livrent leurs décisions en début d'après-midi, lors d'une cérémonie où les différents vainqueurs se succèdent sur le podium. Bravo. Dans cette... Désignée Best of Show, c'est-à-dire belle parmi les belles, cette Mercedes 500K Roadster de 1936 figure au sommet du palmarès de cette édition. Un millésime qui vient confirmer l'engouement des collectionneurs et du public. Globalement, ça s'est franchement bien passé. On a eu encore un peu plus d'étrangers qui sont venus très très loin. Je crois que la qualité des voitures était tout à fait exceptionnelle. Et on a eu un public, je crois, assez nettement plus nombreux. Et on est bien, donc l'année prochaine, premier week-end de septembre, et on continue sur la même veine. 1966,